Si vous cherchez des informations ou des tutos sur Star Citizen, n'hésitez pas à les fouiller dans les vidéos et les playlists de ma chaîne, normalement vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre site, qui est toujours en description, vous y trouverez des liens vers quelques outils intéressants. C'est parti pour la vidéo, bon visionnage! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, on va parler de la 3.18, de la 3.19 et du petit événement Coramor qui a lieu en ce moment même. Alors, on commence par la 3.18. Non, elle est toujours pas ouverte à tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Il y a des avancées toujours aussi lentes, hein, on va pas se le cacher. Il y a eu un stress test la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Ils continuent de faire leurs tests, ils continuent de travailler dessus. Encore une fois, on savait que ça serait compliqué, ils pensaient pas que ce serait aussi compliqué, mais bon. J'arrête à faire un point à la fin du Star Citizen Live de vendredi pour expliquer un petit peu le fonctionnement, le développement du jeu. Bon, très succinctement, hein, mais c'était déjà un bel effort, je trouve. Effectivement, ça ressemble à peu près à ça. Pour expliquer que, bah oui, le Persistent Entity Streaming, c'est un gros morceau qu'il faut ajouter, que bah, il faut adapter tout ce qui a été fait à ce fameux PES. Et donc c'est long. Et il nous dit aussi que pour la 3.19, ça va être pareil, ça va être très long, parce que ce sera le server meshing cette fois qui sera implémenté en plus. Donc, vous attendez pas à deux patchs, à plus de deux patchs cette année, hein, même s'ils ont quand même prévu la 4.0 pour fin d'année. Bon, c'était déjà très optimiste, je suis pas sûr qu'on soit bien parti, mais on verra, on peut avoir de bonnes surprises, on y croit encore. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que pour l'instant, la 3.19, elle est prévue pour fin juin, qu'il n'y a pas grand-chose dedans en termes de fonctionnalité, mais c'est normal. Ils n'ont même pas fini la 3.18, donc savoir ce qu'ils vont pouvoir y ajouter, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc ils ont mis des trucs très bateaux, mais bon, ça, ils sont à peu près sûrs de pouvoir le mettre. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la 3.19. Hein. Pour l'instant, pas grand-chose prévu fin juin. Ensuite, on a donc le fameux Coramor, qui est un événement en jeu. Alors, il se passe pas grand-chose en jeu, hein. C'est un événement, c'est la Saint-Valentin, quoi. Sauf que c'est pas le 14 février, c'est le 11 février. Le concours qui est en parallèle de cet événement se termine le 15 février, donc je vous dis ça un peu tard. Ce concours, il consiste à leur poster des screenshots d'objets mis en forme de cœur dans le jeu. Sans post-traitement, donc pas photoshopé, pas reshade, etc., etc. Donc voilà, il faut faire un cœur avec ce que vous avez dans Star Citizen. Poster le screenshot dans le Community Hub, hein, qui est le truc tout nouveau qui marche à peu près, quand il veut bien, qu'ils ont mis pour poster vos créations, comme par exemple les vidéos que je fais. Je devrais penser à le mettre de temps en temps dedans. Et si vous respectez bien les règles que je vais vous mettre en description et que vous êtes sélectionné, vous avez une chance de gagner, si vous êtes le premier, un Scorpius en LTI, donc assurance à vie en jeu, hein, plus Star Citizen Game Package, donc vous avez le jeu vraiment, plus le vaisseau LTI, plus le Love Struck Paint, c'est-à-dire la peinture pour le Coramor, qui est bon, un peu rose. Et c'est quelque chose que vous pouvez donner, voilà. Donc vous pouvez donner le jeu, en fait, si vous gagnez, vous pouvez donner le jeu à un copain, tout simplement, qui aura un Scorpius, le Game Package et une peinture dégueulasse. La deuxième place, même tarif, exactement le même tarif, sauf que vous aurez un F7CM Super Hornet Earthseeker, hein, qui est le Super Hornet qui a été conçu pour Coramor. Sauf que pour le F7CM, vous n'avez pas la peinture dégueu, vu qu'il a déjà un skin spécial. Et pour la dernière place, la troisième, vous avez un Thumbrill MT. Exactement pareil que la première place, hein, assurance la vie, game package, plus la peinture dégueu, et le prix peut-être donné à un copain. Voilà, c'était tout pour les nouvelles de cette semaine, même un petit peu plus que la semaine, j'avais pas fait de vidéo la semaine dernière. J'espère qu'on aura bientôt la 3.18 en main, ne serait-ce que sur le PTU pour tout le monde. Et en attendant, comme d'hab, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Salut tout le monde!